Voilà. C'est à vous, messieurs. Très bien. Merci Élise, merci aux archives départementales de la Somme de nous permettre d'intervenir ce soir et donc en effet de vous faire partager la découverte entre guillemets de ce savant dans le cadre en effet de missions que nous avons tous les deux accomplies ensemble, remplies ensemble entre 2016 et 2019, donc missionnées par le rectorat de l'Académie d'Amiens. Pour donc, préparer des ateliers pédagogiques à destination des collégiens et des lycéens de l'Académie d'Amiens. Et donc, moi, j'étais arrivé un petit peu avant Hervé avec la mission de développer particulièrement l'histoire des sciences. Donc, je m'étais plongé avec beaucoup de plaisir et de curiosité, tout d'abord dans les archives de l'Académie des sciences d'Amiens. Et rapidement, j'avais repéré donc cette figure de l'apostole qui avait rédigé plusieurs rapports scientifiques conservés dans les archives de l'Académie et dont le nom apparaissait de plus en plus régulièrement dans les procès-verbaux des différentes séances de cette Académie à partir des années 1770. Il devient encore plus présent au moment de la refondation de cette académie, puisque l'académie est dissoute en 1792. Donc, elle avait été fondée donc, au milieu du XVIIIe siècle. Elle est dissoute en 1792 sous l'effet de la loi Le Chapelier. Et elle est refondée donc, en l'an 7, d'abord sous le nom de Société libre d'agriculture, puis d'Académie des sciences, agriculture, commerce, belles-lettres et arts du département de la Somme, appellation qu'elle conserve jusqu'en 1871, avant de prendre le nom qu'elle porte toujours aujourd'hui, l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Amiens. Alors, quelle aubaine pour les deux professeurs relais, missionnés par le rectorat que nous étions, de pouvoir, grâce à l'apostole, encourager une approche pluridisciplinaire de l'éducation artistique et culturelle, en découvrant cette figure de scientifique touche-à-tout, en plus profondément engagée dans la vie de notre cité, vous allez le découvrir, très vite enseignant, membre de nombreuses commissions officielles, promoteur de découvertes scientifiques qu'il devine propices à l'amélioration du bien commun, plus tard même conseiller municipal de notre ville, traversant avec une gloire locale presque identique les deux dernières décennies de l'Ancien Régime, la période révolutionnaire, puis la Restauration, sous Louis XVIII comme sous Charles X. Nous ne sommes donc tous les deux, Hervé et moi, passionnés pour ce personnage étonnant, mais qui semblait pourtant bien oublié aujourd'hui dans la ville où il avait tant œuvré. Alors, voilà. Donc, vous connaissez peut-être cette rue L'Apostole, qui se trouve donc, vous voyez au fond, donc, à la halle Fraissinet, donc derrière la gare, une rue qui n'est pas grande mine aujourd'hui. Et voilà peut-être l'une des seules traces qui reste de cet homme dans notre ville, avec un monument au cimetière de la Madeleine dont Hervé vous parlera tout à l'heure. Donc nous nous sommes demandé pourquoi et comment l'apostole avait mérité une telle estime avant apparemment de sombrer dans l'oubli quasiment total. Voilà, donc je vais laisser la parole à Hervé pour parler des premières années de l'apostole. Tout à fait, et nous allons déjà commencer par découvrir le portrait de ce personnage, qui est un personnage qui n'est pas né à Amiens, d'ailleurs ça lui a valu quelques soucis, vous allez le voir, qui est né à Maubeuge en 1749. Donc Maubeuge, à l'époque, c'est dans l'ancienne province du Hainaut français. Et donc, pour les Amiénois, c'est un hors-saint, c'est quelqu'un qui naît à Maubeuge, qui est le fils d'un marchand, enfin d'un couple de marchands de la petite bourgeoisie locale, avec un peu de bien quand même, et puis aussi des relations. D'ailleurs, lorsque l'on découvre, alors là c'est l'église qui n'existe plus, hein, où l'apostole a été baptisé, elle a été bombardée au cours d'un des conflits du XXe siècle, et lorsqu'on découvre donc l'acte de baptême de l'apostole, eh bien, on s'aperçoit, outre la signature du père, André l'apostole, que les deux personnages qui lui ont servi de parrain et de marraine étaient des personnages qui appartenaient au haut du panier local. Ainsi, Jeanne, Ferdinand, Lucie et Ned Barret appartenaient à une famille
d'avocat au Parlement. Et pour le parrain, Alexandre-Joseph Coulonveau, c'était un chanoine, donc qui appartenait aux strates supérieures de la hiérarchie diocésaine. Et de ce fait, le jeune l'apostole, on peut dire qu'il n'avait pas de bonne fée peut-être à son berceau, mais en tout cas, il était accompagné, il allait évoluer dans une famille qui allait pouvoir lui permettre d'intégrer un milieu favorisé et notamment d'intégrer le collège de Maubeuge. Mais voilà, son père meurt, quand il est tout jeune, et quant à sa mère, je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à retrouver l'acte, et en tout cas, une fois son père décédé, le jeune l'apostole va rapidement être retiré du collège et être placé dans la boutique d'un apothicaire, c'est un pharmacien, de Maubeuge. Et ce qui est intéressant, c'est que le parrain, donc Alexandre Coulonveau, le chanoine, lui-même était issu d'une famille d'apothicaires de Maubeuge. Donc voilà, l'entregent a fonctionné. Ce qui est intéressant aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est que Alexandre l'apostole porte aussi le prénom de sa marraine. Il a le prénom de son parrain, Alexandre, et le prénom de sa marraine, Ferdinande, au féminin, et donc c'est Alexandre Ferdinand. Voilà, donc ces relais ne l'ont pas oublié, et pendant 2 ans, il travaille là-bas, il apprend le métier sur place, chez cet apothicaire, et puis à un moment donné, il est particulièrement éveillé, particulièrement brillant, et donc ses soutiens, et en particulier son parrain, je suppose, sans en avoir vraiment la preuve, vont lui proposer de gagner la capitale du royaume, hein, de quitter sa province et d'intégrer l'univers d'un certain Antoine Cadet de Vaux, dont j'ai seulement cette gravure qui est floue en plus, mais bon voilà, ça vous donne une petite idée. Antoine Cadet de Vaux, c'est un apothicaire fameux qui travaille comme apothicaire major aux Invalides, donc il sert les armées de Louis XV. Et c'est quelqu'un qui passe à l'époque pour un savant de haut vol. Et donc c'est lui qui va donner des cours au jeune apostole, ainsi que plusieurs autres savants célèbres du temps, bien oubliés en tout cas de moi, avant que je commence mes recherches, un certain Rouel, un certain Sage, un certain Baumé. Bon, et l'apostole est pris d'un grand enthousiasme, hein. Il s'investit dans ses recherches, il a une grande soif, d'après ses enseignants, une grande soif d'expérimentation, il est prometteur, mais il a 20 ans et il tombe amoureux. Et il tombe amoureux, et c'est un chagrin d'amour, et à partir de ce moment-là, il va avoir l'idée de se retirer en Auvergne, dans un cloître, le cloître des Chartreux de Moulins, où il eût pu rester longtemps si la vie monastique ne lui avait finalement peut-être pas apporté tout ce qu'il souhaitait. Et donc, il est revenu à Paris pour manipuler les éprouvettes quelques mois plus tard. Il est resté 6 mois à Moulins à peu près, 5 ou 6 mois. Et donc, il a préféré manipuler ses éprouvettes au vaisseau des huiles saintes qui devait être à sa disposition au monastère. Donc le voilà à Paris, il retrouve Cadet de Vaux et il poursuit sa formation. Or à Paris, des apothicaires, il y en a beaucoup, même si la population est déjà nombreuse, et son mentor va lui conseiller d'aller s'installer en province. En province, il y a moins de monde, mais il y a aussi moins de praticiens, donc peut-être ce serait un moyen pour l'apostole de fidéliser une clientèle et finalement de s'épanouir, et lui propose d'aller à Amiens. Pourquoi à Amiens? Parce que ce n'est pas loin de Paris, et donc les deux hommes qui sont devenus amis pourront continuer d'échanger des connaissances. Et puis Amiens, c'est quand même une ville de 20 000 habitants, hein, sous Louis XV. Bon, on n'est pas aux 133 000 actuels, mais 20 000 habitants, c'est quand même pas négligeable pour l'époque. Et donc, effectivement, l'apostole
va s'installer à Amiens avec une lettre de recommandation de Cadet de Vaud et il se fait embaucher par un certain Jean-Baptiste Valot, qui est docteur en médecine et apothicaire au 2781 rue de la Fourbisserie, c'est-à-dire rue Flatters, aujourd'hui en plein centre-ville. Et alors, je n'ai pas le portrait de Valot, mais j'ai trouvé une carte postale, en tout cas la reproduction sur une carte postale de la rue de la Fourbisserie. Rue Flatters, du nom d'un officier français qui a été tué par les Touaregs pendant la colonisation en 1881. Et bon, ça c'était une parenthèse. Alors la boutique se trouve à l'angle de l'ancienne place Saint-Martin, qui n'existe plus. Valot et le jeune homme s'entendent très bien. Il semble que le patron, Valot, donc, s'attache au jeune homme et il voit en lui quelqu'un de prometteur et il va lui promettre aussi la main de sa fille. Et pour cette raison, eh bien, il y a un contrat qui est établi et dans lequel Valot s'engage à fournir tous les éléments possibles afin que le jeune apostole devienne un apothicaire à Amiens. Voilà. À partir de là, on pourrait dire que tout va bien, mais en fait non, ça ne va pas bien du tout, parce qu'il y a des apothicaires à Amiens, d'autres, et ils n'ont absolument pas envie qu'un étranger, né à Maubeuge, passé par Paris, et on ne sait où, vienne avoir pignon sur rue à Amiens. Vous voyez. Pourtant, le mariage a lieu. J'ai trouvé une gravure qui représente l'intérieur de la boutique d'un apothicaire au temps des derniers Bourbons, sans savoir vous dire exactement où c'est, mais je l'ai utilisé pour illustrer le propos. Et ici, donc, vous connaissez sans doute l'église Saint-Germain-l'Écossais, qui se trouve dans le centre-ville, et c'est là que le 22 avril 1773, a lieu l'union entre la fille Valot et l'apostole. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est l'église paroissiale du quartier bourgeois. Hein, depuis le Moyen-Âge, les bourgeois d'Amiens investissent cette paroisse, d'une part, et puis d'autre part, quand on étudie l'acte de mariage des futurs, et bien on s'aperçoit qu'il y a toute une série de signatures. Et parmi ces signatures, il y en a une qui m'a interpellé, c'est celle qui est au milieu, en bas, c'est écrit « A, Bon Valet ». Alors, je me suis dit, est-ce que c'est le fameux Bon Valet que tout le monde connaît, celui de la manufacture, de velours, etc. etc. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé l'acte de mariage du fils Bon Valet, la même année, quelques mois plus tard, à Foucaucourt en Santerre, et je me suis rendu compte j'ai cherché exprès pour voir si c'était des signatures qui correspondaient. Et effectivement, hein, sur la signature du premier mariage et sur la signature du deuxième mariage, c'est bien le même Bon Valet qui signe, c'est bien Alexandre Bon Valet, donc le manufacturier. Donc on voit que finalement l'apostole, il a de l'entregent lui aussi, à Amiens. Il n'a pas que des gens qui voudraient le voir repartir le plus vite possible. La preuve, par cette signature. Et puis, parmi les témoins du mariage, vous avez aussi la signature de Cadet de Vaud, qui est venu exprès de Paris. Donc on a quand même une personne qui a une certaine aura, probablement, dans la profession et aussi dans le microcosme bourgeois local. Bon, une fois qu'on a dit ça, je passe tout ça. Voilà, il y a toute une légende noire. J'ai trouvé des textes qui ont été produits au 19e siècle qui disaient que Valot, c'était un pharmacien ruiné. Bon, moi, je n'ai pas trouvé tout ça. J'ai trouvé que Valot était un personnage qui avait su acheter une charge d'officier. Vous savez que sous l'Ancien Régime, on achetait sa charge hein, depuis l'édit de la Paulette en 1604. Donc, si on avait les moyens, on pouvait servir l'administration du roi en s'offrant une charge. Et il avait acheté la charge d'officier inspecteur des eaux minérales de Picardie. Alors, ça peut paraître étrange. En réalité, on a une époque où les autorités, et notamment l'intendant Bruno Daguet, cherchent absolument à venir à bout des épidémies qui sont transmises par des eaux qui sont souillées. Hein, à l'époque, on boit, on coupe le vin à l'eau, ou plutôt on coupe l'eau au vin.
parce que l'eau, elle est souvent malsaine. Et pour ce faire, des fontaines publiques ont été installées à Amiens. Il y en avait 6. Alors, vous en avez une que vous pouvez voir encore et vous connaissez sans doute, c'est la fontaine Saint-Jacques devant l'église Saint-Jacques, qui est magnifique. Et puis l'autre, en réalité, je ne l'ai jamais vue, je l'ai découverte grâce à Internet, c'est la fontaine Saint-Martin, rue Saint-Martin, qui a été déplacée pour être installée rue de la République, à l'intérieur de la cour d'une maison, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, mais donc elle est magnifique aussi, même s'il manque la partie décorée en bronze, la bouche de laquelle l'eau s'écoulait. Puis il y en a encore d'autres, hein, dans le quartier Saint-Leu, il y en a une vers la place aux Feurs, etc. Bon, voilà. Alors, on peut penser aussi que le château d'eau, je ne vous ai pas mis de photo, celui-là tout le monde le connaît, mais le château d'eau, on peut penser aussi qu'il était sous la responsabilité du beau-père de l'apostole. Voilà. Donc, l'apostole est marié, mais il est mineur, hein, il n'a pas 25 ans. Il va falloir qu'il attende d'avoir 25 ans, 25 ans pour les hommes, la majorité à l'époque, pour les femmes c'était plus jeune, mais il va falloir qu'il attende 25 ans pour pouvoir prêter serment à la communauté des apothicaires amiénois. Donc il doit attendre le 20 décembre 1774, et le problème c'est qu'il l'attend, mais les autres apothicaires, les vrais amiénois, ils n'en veulent absolument pas. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être les regarde de haut, que sais-je, c'est l'ami de Cadet de Vaud, et puis il n'est pas d'ici. Bon, voilà. Donc, on n'en veut pas, et alors, ils ne peuvent pas lui dire frontalement. Donc, ils vont lui demander de payer le repas de la corporation, qui s'appelle, je cite, « les honnêtetés de bouche ». Donc, c'est une sorte de banquet, et il lui réclame aussi 12 livres. Alors, 12 livres, à l'époque, c'est une belle somme, parce que ça doit bien correspondre à une quinzaine de jours de revenus, hein, pour de revenus moyens. Bon, donc on lui réclame cette somme pour passer les épreuves de la maîtrise. Hein. Les concours sont payants, d'ailleurs ça n'a pas forcément toujours changé. Et donc il passe ce concours et il le recale. C'était pas bien. Donc il a payé et il n'a pas eu. Alors il va quand même tenter une deuxième tentative qui se déroule exactement de la même façon. Il est recalé après avoir payé encore un repas, les frais de déplacement des maîtres, une somme de 12 livres, etc. Bon, et après, de façon officieuse, parce que tout finit toujours par se savoir, à l'époque aussi, il apprend que son intégration, elle tient au versement d'un pot de vin de 2000 livres. Alors là, on n'est plus dans 12 livres, on est dans 2000 livres, ça fait beaucoup pour ce jeune homme qui ne peut pas payer. Alors, il se tourne vers les autorités municipales, à l'époque, donc le maire et les ségérants, et qui lui donne raison. Hein, il lui donne raison en janvier 75, et il condamne les maîtres de la corporation à lui restituer l'intégralité des sommes investies en vain, parce que les apothicaires font de la résistance. Alors l'apostole tente sa chance ailleurs, il va tenter de s'installer comme apothicaire à Abbeville. Mais à Abbeville, on ne veut pas de lui non plus, là aussi il est repoussé. Et finalement, donc, il revient à Amiens, où il a son épouse, son beau-père, et il y a toute une procédure qui est mise en route, avec donc un procès, car les apothicaires, non seulement ne veulent pas de lui, mais ne veulent pas rembourser, etc., etc. Et leur argument pour le refuser, c'est de dire qu'il n'a absolument pas le niveau pour être apothicaire, qu'il ne connaît pas les bases du métier. Voilà, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, donc c'est ce qu'ils font. Et à partir de là, il va y avoir un événement considérable. C'est une épidémie de grippe qui sévit à Amiens. Alors, est-ce que c'était vraiment la grippe? Non, une épidémie de rhume. C'est le titre exact, mais qui pourrait avoir été une épidémie de grippe. Bon, je me suis emmêlé. En tout cas, cette épidémie va lui donner l'occasion de prouver ses compétences auprès de toute une partie de la population malade. Et il obtient donc de très bons résultats. Et à ce moment-là, il est difficile de dire qu'il n'a pas les compétences pour exercer sa profession. Par ailleurs, entre-temps, son beau-père est décédé et il hérite de la boutique de la rue de la Fourbisserie.
Et là aussi, il va pouvoir commencer à prouver des compétences commerciales. Alors, le personnage, on l'a vu, a des soutiens dans la population locale, dans la hiérarchie, au sommet de la hiérarchie locale, et notamment auprès de l'intendant de Picardie, Bruno Daguet. Bruno Daguet, qui est un administrateur hors pair, c'est le dernier intendant de Picardie avant la Révolution, et c'est quelqu'un qui a essayé de transformer la ville, d'améliorer les conditions sanitaires. C'est aussi pour lui qu'a été construit, je reviendrai après là-dessus, hein, l'intendance de Picardie à Amiens, qui est aujourd'hui la préfecture, et qui date donc vraiment de l'époque à laquelle se passe cette histoire avec la Faustole. Je reviens en arrière, il a aussi les bonnes grâces de Turgot, le contrôleur général des finances de Louis XVI, qui va envoyer une lettre depuis Paris, on l'a aux archives ici, hein, avec sa signature, où il appuie toutes ses forces pour que les apothicaires amiénois l'acceptent enfin dans la corporation. Alors, ici, donc, l'intendance, ça se passe à l'intendance, et avec un tel soutien, hein, on le devine, eh bien, il devrait être intégré. Eh bien non, ça continue encore pendant toute l'année 75, et il va falloir attendre 1776, donc ça fait déjà plusieurs années hein, que l'apostole rame, en quelque sorte, il va enfin pouvoir être intégré. Il va prêter serment, sans qu'aucun apothicaire ne se soit déplacé, à l'hôtel de ville, devant le maire d'Amiens, Jean-Baptiste Jourdain de Thieulois, comme l'imposait la coutume du temps. Bon, peu importe. Désormais, il a pignon sur rue. Il va faire publier un magnifique fascicule en 1777, voilà, le prix courant des drogues, dans lequel... On voit bien son nom sur la gauche, hein, qui se vend chez Monsieur l'Apostole, apothicaire du roi, hein, il est apothicaire du roi, à Amiens. Et ici, donc, on a sur les pages centrales et à droite, on a toute l'histoire. Voilà, j'ai su soigner les gens qui étaient tombés malades du rhume, etc. Donc, il y aura un petit historique. Et puis, ensuite, nous avons... Quelques-uns des produits qu'ils vendent, hein, je répète, sur 32 pages. Alors ici, il y a quand même des choses assez cocasses pour nous, hein. Enfin en tout cas pour moi qui ne suis pas du tout scientifique, il y a des choses assez cocasses. Par exemple, vous voyez sur la page de droite, il me semble, voilà, en bas, il vend des vipères en poudre. Il vend des têtes de vipères, qu'est-ce que j'avais repéré, du vin d'absinthe. Voilà, ça devait bien soigner. Et il vend aussi le vinaigre distillé de 4 voleurs. Alors, c'est des dates, hein, ce qui montre l'ouverture sur le reste du monde de la ville d'Amiens, parce qu'avoir des dates à Amiens, c'est quand même pas banal. De la corne de cerf, de la raclure de calciné. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais plus exactement. Enfin bon, toute une série de produits comme ça qui se... une longue liste avec les prix hein, en sous sur le côté à droite. Donc c'est un catalogue, selon les termes même de l'apostole, qui permet de découvrir un peu, de lever le voile un peu sur l'univers d'un apothicaire du temps. Donc l'apostole est désormais pleinement intégré au microcosme amiénois et dès lors il va pouvoir... aller plus loin et réaliser, peut-être c'est l'un de ses rêves, enseigner. Il va commencer ses premiers pas dans l'enseignement dans une salle du couvent des Jacobins, donc pas très loin d'ici, et ses leçons de chimie expérimentale et d'histoire naturelle. Alors ici, c'est un cours de chimie, vous voyez, sous les auspices de Monsieur le Comte Daguet, donc l'intendant de Picardie, avec... et puis, ce cours commencera le jeudi 13 février 1777 à 10. Ils faisaient ça bien. Hein. La chimie. Et puis, ici, cours d'histoire naturelle appliqué à la matière médicale, à l'agriculture, etc., etc. Alors, ces cours, visiblement, ont rencontré un succès assez important. Et très vite, la salle est devenue trop petite, hein, trop exiguë.
Et dès lors, l'apostole a réclamé une salle à l'hôtel de ville, aux échevins, qui aurait pu accepter si les autres apothicaires n'avaient pas fait une levée de bouclier pour dire « Ah non, non, surtout pas, surtout pas ». Et c'est donc Bruno Daguet, l'intendant, qui va lui accorder une salle au pavillon du Jardin du Roi, il y a une vingtaine d'années à l'époque, et dans lequel l'apostole va pouvoir donner des leçons. Ensuite, de façon un peu lapidaire, hein, parce que mon collègue va développer tout ça, mais il a contribué à l'installation de fabriques d'acide nitrique, chlorhydrique et sulfurique. Il a fait faire de grands progrès à la technique du tannage et de la teinture, très important ici, hein, dans une ville du textile, comme Amiens. Au cours des années 80, il effectue des recherches sur le gaz de houille pour gonfler les montgolfières. Donc on a là quelqu'un qui est vraiment, j'allais dire, dans le vent, et il s'occupe d'augmenter le débit de l'eau des 6 fontaines publiques d'Amiens en faisant employer les eaux de la Somme et de la Selle, hein, qui passent du côté de la Haute-Oie, dont les eaux sont plus potables que celles des puits, souillées, contaminées, selon le scientifique. Son action est celle d'un de ses amis, qui était médecin, un certain Dervillet, avec lequel il donnait des cours à Amiens, lui valent une médaille d'or de la commission des hospices. Entre-temps, en janvier 1975, l'apostole a été élu en tant qu'académicien adjoint à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Amiens, puis en tant que titulaire en 1780. Alors ici, c'est le cachet de l'Académie des sciences, on a beaucoup d'archives qui sont déposées aux archives départementales, et je me suis rendu compte qu'en passant devant la bibliothèque Louis Aragon, rue de la République, il y a deux jolis pavillons à droite et à gauche, et l'une des vitres du pavillon, celui qui est à gauche quand on est dans la bibliothèque, rue de la République, eh bien, est gravée avec ce logo. Voilà. Donc, le chemin doit être suivi, doit être tenté. Bon, c'est une traduction, je ne parle pas latin. Bon, alors, ensuite, le soutien de l'intendant de Picardie va permettre à l'apostole d'élargir l'éventail de tous ses sujets de prédilection, parmi lesquels un sujet en vogue à l'époque, très important, d'ailleurs il y a eu une conférence il y a quelques mois sur le sujet, la conservation des grains, hein, qui est un sujet qui est, qui est très important dans la mesure où les physiocrates sont des personnalités qui estiment que les richesses viennent de la terre et que c'est parce qu'on doit savoir préserver et conserver les grains que la nature finalement doit permettre l'enrichissement de la population et du royaume. Alors ce mouvement physiocratique, eh bien, va être un soutien à l'apostole, et c'est là qu'on peut supposer que l'ouvrage publié en 1787 sur le traitement de la carie ou du blé noir, s'inscrit bien dans l'esprit du temps. L'apostole écrit à l'intendant que son ouvrage va apprendre, je cite, « à cette province de Picardie, comment on doit s'y prendre, bon, c'est sûr qu'il s'était fait des amis avec ça, comment on doit s'y prendre pour extraire des grains, toute la farine qu'ils contiennent est la meilleure manière de fabriquer un pain agréable et sain et mettre les moissons à l'abri du fléau le plus destructeur. » Pour rédiger son travail, l'apostole s'est rendu chez des paysans, des vrais paysans, et il a appris comment manipuler les céréales. Donc on a vraiment quelqu'un qui expérimente dans toute une série de domaines. Et on a trois personnalités parisiennes qui se rendent à Amiens pour assister à ces expériences. Un certain Broc, qui était intendant de la boulangerie des Invalides à Paris, et Cadet de Vaux, et le fameux Parmentier, que tout le monde connaît, et Parmentier, donc, qui va lui aussi assister au cours de l'apostole sur ce sujet. Alors ici, j'ai cité aussi Simon Parmentier, le frère d'Antoine Augustin, qui lui aussi a joué un rôle assez important dans les expériences physiocratiques, et qui était une relation plus proche
de l'apostole qu'Antoine Augustin, qui peut-être, je le suppose, était venu parce que son frère lui avait parlé des expériences en cours. Bon, sans en avoir la preuve encore une fois. En tout cas, ses travaux ont un certain succès et à Amiens, il peut ouvrir un second cours d'études expérimentales. Cette fois, c'est chez lui. Et les élites locales éclairées se rendent pour suivre les cours. Alors, on a une chronique du temps qui est conservée ici aux archives départementales qui cite un certain abbé Reynard, professeur de philosophie au collège Saint-Nicolas à Amiens, de la Morlière, qui était un chimiste et qui va être député de la Somme en 1815, Roland de la Platière, qui est ministre de la Révolution, le comte de Jean, qui a été ministre sous l'Empire, voilà, Jean-François Aimé, comte de Jean, et finalement, l'intendant Bruno Daguet. Alors Bruno Daguet, c'est le soutien jusqu'au bout, et vous savez qu'Amiens, à l'époque, est entouré par des murailles, et Bruno Daguet va concéder 5 cavaliers. Alors, des cavaliers, ce sont des espaces dans les fortifications de la ville, et ces espaces sont concédés à l'apostole pour qu'il puisse y édifier des moulins, et en particulier à gauche et à droite de la porte de Noyon, face à la porte de Paris aussi, et à la porte de Beauvais. Et enfin, un dernier espace est dévolu au moulin de l'apostole à la porte de la Haute-Oie. Donc, en quelque sorte, Amiens est cerné par les moulins de l'apostole. En 1787, consécration suprême, il peut enfin faire attacher à sa pharmacie une enseigne aux armes du roi. Il est apothicaire de sa majesté. Cependant, les nuages s'accumulent sur le royaume des Lys. On est en 87, crise sociale, crise économique, rejet d'un système qui sépare les sujets de Louis XVI en 3 ordres, comme on le sait, dont les deux premiers, qui sont les ordres privilégiés, représentent environ 3% des Français, c'est-à-dire pas beaucoup, tandis que ceux qui travaillent et payent des impôts forment 97% de la population du temps. Juillet 89, Amiens participe activement aux événements révolutionnaires. En 1793, l'apostole est dénoncé. Il est dénoncé parce qu'il posséderait des armes et serait partisan de la monarchie. Le comité de surveillance de la 6e section amiénoise décide son arrestation, l'arrestation de celui qui, je cite les documents du temps, ne s'est jamais montré un bon patriote. Bon, c'est péremptoire. L'apostole est enfermé à la prison de la Haute-Oie, la conciergerie, on l'appelait. Une perquisition a lieu dans sa chambre et elle laisse découvrir de petits médaillons en plâtre à l'effigie de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Son cas est clair. Et pire, l'apostole possédait 4 pastels qui représentaient le roi, la reine, le comte d'Artois et le comte de Provence. Là, son cas est encore plus clair. Alors, on est quand même pendant la terreur. Il est accablé, il est en prison pendant 2 mois et 10 jours et finalement il est élargi, hein, il sort de prison parce que sa femme est intervenue auprès du conventionnel André Dumont, le fameux Dumont, dont vous avez un portrait ici, et ici un des arbres de la liberté qui ont été planté sous son égide pendant la Révolution, et celui-là existe toujours, donc devant le château de Ham. Et donc Dumont, hein, ce n'est pas un saint, si je puis dire, puisqu'il vient de faire arrêter dans le département de la Somme 64 prêtres et toute une série d'aristocrates, parmi lesquels le duc de Mailly, maréchal de France, défenseur des Tuileries le 10 août 1792, et par ailleurs, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Amiens, à l'instar de l'apostole. Donc, il est sorti de prison, et alors ce qui est curieux, mais il doit y avoir une explication, désormais l'apostole va entretenir une relation d'amitié avec Dumont. Ils deviennent amis, et peut-être que cette amitié va s'éclairer par les propos de Jean-Christophe, mon collègue. Merci Hervé. Alors, je ne pourrais pas vous faire profiter de la même érudition que celle de mon collègue et ami Hervé,
historien bien connu ici et reconnu bien au-delà. Je vais simplement moi m'appuyer sur les observations que j'ai pu faire en explorant donc il y a quelques années, dans le cadre de mes missions pédagogiques, les archives de l'Académie d'Amiens et plusieurs fonds d'archives publiques qui sont conservés ici. Alors, comme vous l'avez compris, il y a peu de traces des activités de l'apostole pendant les premières années de la période révolutionnaire, ce se fait discret, hein, mais on le croise toutefois dans les archives publiques de la série L, fabriquant des baïonnettes pour les fusils des volontaires républicains dans la chapelle Saint-Quentin face à l'actuel statue de la Marie sans chemise. Mais il va devenir beaucoup plus actif au moment donc où l'Académie des sciences renaît donc en Lancette, sous le nom de Société libre d'agriculture du département de la Somme, donc à la fin du directoire, refait un peu une apparition plus claire sur la scène locale. Il est cependant le modeste vice-secrétaire de la société au moment où elle renaît, mais 3 ans plus tard, donc hein, en 1802 à peu près, donc, il devient déjà son président. Hein, donc, il est le président de l'Académie reconstituée. Alors, parmi les sujets qui vont, enfin, il va reprendre finalement les sujets qu'il avait intéressés à la fin de l'Ancien Régime, et notamment donc la question de l'agriculture et de la subsistance de la population du département qui reste ses préoccupations essentielles. Donc, en l'an 8, par exemple, donc là, j'ai oublié de vous montrer ça, donc on est sur, alors là, c'est extrait donc, des registres des séances donc, de l'Académie hein, qui a déposé ses archives aux archives départementales. Et là, vous avez donc un rappel de la recréation de l'Académie sous le nom donc, de Société libre, donc en l'an 7. Et donc, ça, c'est un avis aux cultivateurs que donc, l'Apostole publie en l'an 8 au nom de l'Académie. Hein, au nom de la Société libre d'agriculture, maintenant. Il rappelle que la récolte de l'année a été bien maigre du fait de la sécheresse et il recommande de traiter les futures semences à la chaux afin d'obtenir de meilleures récoltes. Cependant, il ne désespère pas de la récolte de l'an 8 et des moyens de nourrir avec elle la population locale. Puisqu'il retrouve ses préoccupations pour la boulangerie, et cet avis aux cultivateurs se conclut par des conseils de boulangerie pour fabriquer avec du blé germé, la récolte a été mauvaise, mais c'est pas grave, avec du pain germé, vous réussirez à faire un pain aussi salubre et savoureux qu'avec du blé non altéré. Et donc il donne des conseils hein, aux boulangers locaux pour essayer donc avec cette maigre récolte, de nourrir tout de même les concitoyens. D'ailleurs, plusieurs des éloges rédigés après sa mort et conservés dans les archives du diocèse, qui sont également très riches en documents concernant l'apostole, évoquent les cours de boulangerie qu'il a plusieurs fois prodigués, donc à la fin de l'Ancien Régime et aussi après, hein, devant, semble-t-il, des foules de boulangers passionnés. Hein. Donc là, à nouveau, donc, datant donc, du début du XIXe siècle, un nouvel essai de l'apostole sur la maladie du blé désignée par la carie qu'on voyait apparaître dans l'imprimé datant de la fin du XVIIIe que vous a montré Hervé tout à l'heure. Donc le blé l'intéresse beaucoup, mais la pomme de terre aussi. Hein. L'apostole va s'employer à promouvoir la culture de la pomme de terre dans le département. Et par exemple, donc dans le compte-rendu de la séance de l'Académie du 15 niveaux en 10, on lit la chose suivante. Le citoyen l'apostole a lu un mémoire sur la nécessité d'introduire en France une culture nouvelle pour augmenter la masse de végétaux nutritifs dont l'insuffisance se fait sentir d'année en année, soit que la population augmente ou soit que nos terres deviennent moins fertiles par l'intempérance des saisons. Le rédacteur du compte-rendu poursuit « La plante qu'il propose, c'est la pomme de terre cultivée en jachère. D'après les expériences que le citoyen l'apostole rapporte, il résulterait qu'un journal de terre en jachère pourrait nourrir par son produit autant que le ferait la récolte de blé de 5 journaux entiers, que cette culture ne nuit en rien à celle du blé dont la terre n'est pas pour cela désolée. » 11 jours plus tard, toujours devant ses concitoyens de la Société libre, il explique comment la rendre la pomme de terre inattaquable
par la germination, la gelée ou les insectes, et la transformer en une substance farineuse propre à servir d'aliment économique aux pauvres dans des temps de disette ou de cherté des blés. Alors, sa préoccupation donc d'une subsistance suffisante pour tous l'amène aussi à examiner la nature des différents engrais à la disposition des cultivateurs et des paysans et de la manière la plus efficace de les fabriquer et de les utiliser. Alors, la pomme de terre revient et elle trouve donc encore des mérites aux yeux de l'apostope puisqu'il vante dans cet essai la richesse des fans de la plante en potasse, donc la possibilité de l'utiliser en engrais. Il s'intéresse aussi beaucoup à la tourbe des ortillonnages et il s'interroge notamment sur les moyens de combler les trous provoqués par l'extraction de la tourbe donc dans les ortillonnages de notre ville. Il va même encore plus loin, il ne s'arrête pas dans ses recherches hein, puisqu'il se lance à la recherche de houille dans le canton de Rollo. Donc dans ce rapport fait au préfet du département, hein, donc l'apostole explique qu'il a cherché des terres de houille dans le canton, mais apparemment l'exploration s'est avérée peu fructueuse hein, et l'apostole ne sera hélas pas à l'origine de l'incorporation de la Somme dans le pays minier du Nord voisin. Toujours en l'an 8, il se préoccupe donc, hein, puisqu'il n'a pas trouvé de houille, de pouvoir économiser les combustibles. Et alors il va organiser chez lui une soirée formidable à 5 heures du soir. Tout le monde est convié, donc tous les membres de la Société Libre de la Société de la Somme sont conviés chez l'apostole, rue de la Fourmisserie, pour voir donc l'apostole leur démontrer comment sa chaudière économique, en à peine 41 minutes, peut porter 30 litres d'eau à ébullition avec seulement 3 kg de bois, ce qui apparemment était un exploit pour l'époque. Mais sa curiosité de scientifique et le souci qu'il montre constamment de l'intérêt public l'amène aussi à s'intéresser à bien d'autres domaines. Par exemple, alors là, je n'ai pas d'image à vous montrer, mais en l'an 8, il rédige un mémoire de géologie hein, qui est conservé dans les archives de l'Académie, où il fait la preuve, a priori douteuse, dans un mémoire de plusieurs pages, que la nature des sols donc, du département donne une unité à ce département créé 6 ans plus tôt donc, par donc, la Révolution. En l'an 13, alors que la Société Libre est devenue l'Académie des sciences, agriculture, commerce, belles lettres et arts, l'apostole s'inquiète de la prospérité de l'industrie locale, de l'industrie donc, textile, et il informe ses collègues des vertus du cardamome indigène, plante tinctoriale rapportée de la campagne d'Égypte par le chimiste Berthollet. Donc on voit vraiment que tous les domaines l'intéressent et que sa curiosité d'ancien régime n'a pas disparu. Mais notre scientifique, donc très préoccupé, on l'a vu, de l'alimentation des plus pauvres ou de la prospérité de l'industrie locale, n'oublie pas le jeune pharmacien qu'il a été. Et il se fait aussi hygiéniste. Alors là, on a un essai fabuleux, où là, c'est à nouveau donc, le récit d'une séance où il a convié, alors cette fois pas chez lui, mais à l'Académie, donc ses collègues à découvrir un niveau... il leur parle du blanchissage des vêtements. Hein. Il va recommander le blanchissage des vêtements et la confection de lessives domestiques. Et alors, il écrit quelque chose d'assez savoureux. Les vêtements de coton, de chanvre et de lin, en usage comme les vêtements qui s'appliquent en premier sur la peau, éprouvent après un certain temps d'usage une altération marquée par une odeur animale, qui devient d'autant plus fétide qu'ils sont depuis plus longtemps portés sur la surface de la peau. La blancheur naturelle à ces vêtements est aussi salie par une matière étrangère qui quelquefois les colore en roux. Voilà, donc il a découvert que les vêtements se salissent et donc il conseille à ses collègues et à M. Lecal de développer donc, le blanchissage des vêtements. Alors, il se préoccupe aussi de la salubrité de l'air,
pour lutter contre le choléra. Et en l'an 10, on le retrouve membre du jury de santé et comité médical du département de la Somme. Et dans cette fonction, il va s'occuper notamment de la diffusion de la vaccine, c'est-à-dire le premier vaccin pour lutter contre la variole et la petite vérole. Et ce qui est assez fabuleux aussi, c'est qu'il y a quand même des échos avec notre actualité, parce que dans une lettre au préfet, il écrit la chose suivante, que « je m'élève contre les incrédules et les mal intentionnés qui ont toujours des objections à faire et des malheurs à annoncer au sujet de ce vaccin. Ainsi, certains ont osé dire que la vaccine ne protégeait pas ne protégeait de la variole que momentanément. Hein. » l'apostole va leur faire la démonstration que le vaccin est efficace. Hein. Et donc, l'apostole va aller chercher trois enfants de l'hospice Saint-Charles. Il va leur, des enfants qui avaient été vaccinés, il leur inocule à nouveau le vaccin, hein, et ces enfants eh bien, ne tombent pas malades, et donc la démonstration est faite par l'apostole de l'utilité de ce vaccin. Membre du jury de santé, on le retrouve aussi, par exemple, mener une enquête à Davnesco, un village cher à mon voisin. En effet, Alexandre Cordier, chirurgien, a accouché une jeune femme à l'aide d'un crochet de lampe aiguisé, provoquant étonnamment la mort de la mère et de l'enfant. Et donc l'apostole mène l'enquête en tant que membre du jury de santé et il est assez indulgent puisqu'il fait remarquer quand même que ce n'était pas le meilleur instrument à utiliser. Mais comme le chirurgien lui a fait remarquer qu'il n'avait pas les moyens des chirurgiens des villes et qu'il ne pouvait pas acquérir un matériel coûteux, l'apostole l'incite à plus de prudence mais lui permet de poursuivre ses activités médicales. Nous ne sommes pas allés chercher s'il y avait eu de nouvelles victimes. Depuis 1906 et la fondation de l'école pratique de santé du département de la Somme, l'apostole est aussi professeur de chimie et de pharmacie. Et par exemple, alors sur un document qui est plus ancien, donc un des fondateurs et premiers enseignants, donc c'est un document donc, qui parle des cours qui sont donnés à la faculté de médecine et vous voyez donc apparaître le nom de l'apostole hein, donc, qui donc, enseigne la matière médicale et la chimie. Hein. Et puis là sur ce document donc, qui est plus récent, qui est un document des années 1800 je crois, qui est une fiche individuelle concernant l'apostole, on apprend qu'il est également professeur de physique à l'école centrale. Alors l'école centrale, les écoles centrales sont les établissements publics d'enseignement qui ont été fondés par le directoire en 1795 dans chaque département pour remplacer les collèges et qui seront transformés par Napoléon en lycée. Donc il y a donc fort à parier même que l'apostole fut l'un des premiers professeurs du lycée de garçons d'Amiens, celui où j'enseigne aujourd'hui, qui est aujourd'hui implanté à la périphérie de la ville, mais qui était implanté à partir de 1802 et l'école centrale à partir de 1795 dans l'ancienne abbaye Saint-Jean-des-Prémontrés et actuel bâtiment de Wailly. Voilà, donc on le voit vraiment donc très curieux, remplissant de différentes fonctions. Donc Hervé vous permettra dans un instant de comprendre pourquoi mais la chute de l'Empire et le retour des Bourbons sur le trône de France ne troublent en rien les différentes activités de l'apostole, hein, donc qui s'accommode très bien de la valse des régimes politiques. Il poursuit son enseignement à l'école de médecine jusqu'à la veille de sa mort, hein, puisqu'il meurt en 1831, et ici sur une affiche donc de l'école de médecine, enseignement de 1830-31, vous voyez donc à nouveau le nom à la troisième ligne, le nom de l'apostole, donc professeur de chimie pharmaceutique, pharmacie pratique, donc qui donne des cours lundi, mercredi, vendredi matin, etc., à côté notamment de M. Rigolo. Bien, en 1821, on le voit aussi auteur d'un petit essai où il essaie de promouvoir donc l'utilisation des ustensiles de cuisine étamés en zinc. Il écrit « Des accidents malheureux trop répétés nous ont prouvé depuis longtemps et nous prouvent encore trop souvent
le danger des vases de cuivre étamé que l'on emploie à la préparation des aliments. La même année, vraiment les préoccupations sont très diverses, la même année, on apprend qu'il recouvre les fils de coton, les particules chimiques des vêtements, pour les rendre ininflammables hein, et éviter ainsi les fréquents drames domestiques aux abords des cheminées de cuisine. Donc, au début de ce texte, on rappelle un incident arrivé à Amiens en 1796 où une mère à Amiens, sa fille près d'un poêle, donc s'est enflammée. Et donc lui met au point donc, une technique hein, qui, enrobant les fils de coton, donc, va mettre fin à ces accidents malheureux. Un autre prospectus, comme c'est écrit, qui date de 1821, nous amène vers un autre des sujets de prédilection de l'apostole, peut-être l'un de ces derniers, l'électricité. Hein, alors, avant d'en parler un petit peu plus, le début du texte aussi nous montre comment il a pu s'accommoder des différents régimes. Et donc là, au début de la Restauration, hein, il nous dit que la paix de l'Europe a mis fin à toutes les révolutions. La France va jouir du repos si longtemps désiré. Hein. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'on voit l'image que se faisait l'apostole de lui-même, puisque dans le deuxième paragraphe, tous les hommes sont appelés, selon leurs facultés et leurs moyens, à concourir à l'amélioration donc, de l'humanité. Prendrais-je la confiance de paraître un des premiers sur cette liste honorable en proposant des secours à l'humanité souffrante ? Il a une certaine confiance en lui. Et donc l'électricité, il l'utilise pour apparemment soigner les malades et il propose de venir à l'Hôtel Dieu le dimanche après la messe subir des séances de soins à l'électricité. Alors, l'électricité va nous amener à sa dernière invention, son plus grand triomphe. Hein. Son ouvrage ayant été traduit dans plusieurs langues et étant encore en vente sur eBay à des prix absolument prohibitifs. Alors son plus grand triomphe, mais aussi son plus grand échec, parce que ça a provoqué la risée de tous les scientifiques parisiens, puisque cette invention, ce sont les parafoudres et les paragrêles en corde de paille qu'il propose d'installer partout en Picardie. Et donc là, à la fin de son livre, conservé ici dans nos sous-sols, eh bien, vous avez une vue de ce qu'il imagine. Alors, c'est peut-être les ancêtres des éoliennes. Aujourd'hui, on critique beaucoup les éoliennes, mais on pouvait faire pire, puisqu'il propose donc la vue d'une plaine armée de paragrêles et d'un village armé de parafoudres. Donc, c'est la solution ultime qu'il trouve pour garantir l'alimentation totale de la population en évitant donc, que les intempéries viennent ruiner les récoltes. Voilà. Je rends la parole à Eric. Et il me rend la parole pour conclure qu'après avoir soutenu tous les régimes, des Bourbons jusqu'à Louis-Philippe, en passant par les baïonnettes de la Révolution, eh bien, l'apostole a obtenu une consécration politique à Amiens même, puisqu'il a succédé au sieur Laurendeau, au conseil Laurendeau, dont une rue porte le nom, hein, pas loin d'ici, au conseil municipal, sur la décision de Charles X, donc au moment de la Restauration, où l'on voit ici hein, une ordonnance 1827, Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui s'y présentent verront, salut. Et à partir de là, donc notre scientifique, et on peut dire qu'il a vraiment réussi son intégration jusqu'à intégrer la Seigneur Sparse, oui, des célébrités politiques locales. Cependant, il ne va pas en jouir très longtemps puisqu'il meurt le 18 décembre 1831 à 82 ans, entouré de ses élèves et toujours attiré, ses élèves qui étaient toujours attirés par le savoir encyclopédique du maître jusqu'au bout. On a vu, Jean-Christophe nous montrait l'affiche avec les cours de l'année scolaire 30-31. Il n'avait pas d'enfant, peut-être en avait-il eu, le couple en avait-il eu, en tout cas on n'en a pas trouvé, c'est possible en cherchant longtemps d'en trouver, en tout cas il n'avait pas d'enfant vivant, et donc toute sa fortune a été léguée
à la ville d'Amiens, qu'il l'a fait inhumer au cimetière de la Madeleine, dans la partie réservée aux bienfaiteurs d'Amiens. Et ici, donc, vous avez une partie de sa sépulture qui a été édifiée dans les années 1850, qui est une œuvre et un chef-d'œuvre des frères Dutoit. Et sous son effigie, alors c'est ici, on voit la signature des frères Dutoit en bas à droite. Et donc, sous son effigie, un bas-relief a été représenté, qui a été réalisé, qui représente la physique et la chimie. Ce sont les deux angelots sur les côtés. Et enfin, le rêve jamais réalisé de l'apostole, le paysage picard, couvert de parafoudre et de paracrèles en cordes de paille. Voilà. Enfin, bien longtemps plus tard, le 14 août 1879, alors là on est sous la Troisième République, une république en quête de symboles et de grands hommes, et d'exemples à suivre aussi, hein. Et donc un arrêté du conseil municipal d'Amiens a débaptisé la rue du Petit Jardinier, qui se trouvait dans le quartier de la Vallée, dans le quartier de la Gare, donc quartier de l'avenir à l'époque, hein. Donc cette rue du Petit Jardinier a été rebaptisée rue l'Apostole. Et je vous cite, pour conclure la conclusion, la citation du conseil municipal. « Monsieur l'Apostole, non content des services qu'il a rendus à l'instruction par ses cours de chimie, de physique, à l'agriculture et à l'économie domestique par des découvertes utiles, a voulu encore ajouter à la reconnaissance publique en se dépouillant au profit de la ville d'un cabinet précieux, fruit de plus de 40 ans de recherches et de travaux. » Je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement et donc demander à la salle.